Oui, c'est comme toujours, hein, c'est tout embrouillé. Désolé pour ça. Si je... Voilà, même avec ça, on voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on voit un petit peu mieux. Donc, aujourd'hui, ben, comme c'est écrit, hein, on fait des tirages aujourd'hui. Donc, pour le premier, donc je vous laisse trois choix. Aujourd'hui, donc en général, c'est un tirage général pour le coup. Du coup, ben, je vous laisse choisir entre les trois oracles que je vais vous présenter. Donc, il y a l'oracle des fées de l'Énormand. Donc, je peux l'approcher pour que vous puissiez voir mieux. Donc, voilà, l'oracle des fées l'Énormand. Ensuite, j'ai l'oracle des dragons. Viking aujourd'hui. Donc. Et l'oracle de lumière. Mais ceci, ça. Je vous laisse ces trois choix-là. Mais aujourd'hui, je ne fais qu'un tirage. Donc, pour pas qu'on s'éternise trop. En fait, autrement dit, je vous laisse trois choix et les trois choix vont être partis, vont être en trois parties. Voilà. Donc, vous allez devoir attendre un tout petit peu pour les suivants. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'oracle des fées de l'Énormand. Donc, pour le premier tirage des énergies. Donc, quand je parle des énergies, c'est l'énergie du cœur. Et l'énergie qui vous entoure, donc l'énergie actuelle. Donc, bien entendu, bon, vu que c'est, vu que je suis pas trop des fois calée sur certaines cartes, je garde le petit livret au côté de moi. Au cas où que j'oublierais certains trucs, parce que oui, j'oublie tout le temps. Donc, mais aujourd'hui, je vais y aller avec mon ceinture. Bon, oula, aujourd'hui, je vais y aller avec mon intuition. Donc, ce que les cartes vont me dire. Donc, et du coup, on va tirer 5 cartes pour l'énergie du cœur. Voilà. Donc, on mélange, bien entendu. Bon, moi je mélange. Donc, on mélange. On mélange. On mélange. J'aime bien ça mélanger. Donc, qui dommage? Est-ce que je peux pousser? Ouais, voilà. Comme ça, je vais avoir plus de place pour déposer les cartes. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ah, bien entendu, je répète, c'est l'énergie du cœur qu'on veut savoir, qu'on veut connaître le message de l'énergie du cœur. Donc, bien entendu, je ça regarde la nuque. Je suis désolée pour ça. Donc, je vais y aller avec elle. Donc, nous avons la tour. Bien entendu, je vais vous les montrer individuellement après. Donc là, nous avons la tour. Je peux vous la montrer tout de suite. Donc voilà, la tour. Je la rapproche pour que vous voyez quand même assez bien, vu que la caméra est pas trop fameuse. Du coup, ensuite, il y a celle-ci. La lettre. Donc, la lettre. Déjà là, la lettre, pour moi, ça signifie déjà qu'il y a un message. Voilà, déjà. Donc, la lettre. Voilà, donc la lettre. C'est une fille qui tient une lettre.
Ensuite, nous avons la gentille femme, je crois, la dame, quelque chose comme ça. Donc, voilà, la demoiselle, en fait. J'allais voir, comme que j'ai dit, j'ai oublié son nom. Donc, oui, la tour. Ça, c'est numéro 29. C'est la dame. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu supposément, pas supposément, mais ça peut dire que c'est féminin. Voilà, ça peut être un message féminin ou, voilà, pas. Ça peut provenir, voilà, d'une personne féminin ou peut-être pas. Voilà. Donc, là, je vais voir. Je vais prendre elle, la cigogne. Donc, la cigogne pour moi c'est relié aux enfants, car on dit souvent que la cigogne transporte voilà, le bébé. Il me semble que c'est ça. Non, pas le livret, voyons. On s'en fout du livret pour le moment. Ensuite, nous avons l'encre. Donc, ceci, c'est les cinq cartes que nous avons. Donc, autrement dit, je récapitule. Nous avons la tour, la lettre, la dame, la cigogne et l'encre. Donc, ouais, mais ça me pique énormément. J'ai chaud. Donc, pour le coup, bon, comme je disais, la tour. Donc, je vais voir la tour. Ben, la tour pour moi. Donc, non, vu que c'est un tirage général. Donc, je fais. La tour. Je vais voir parce que j'ai oublié. C'est juste parce que j'oublie par moment. Donc, la tour. Bureaucratie, institution, gouvernement, autorité, frontière, séparation. Donc, comment dire? Qu'est-ce que je vois? Là, c'est ça me stresse. Donc, il y a la lettre, la dame, la cigogne, l'encre, la tour. Donc, comme j'ai dit, la tour, ça peut être, voilà, niveau gouvernement. Ça peut être niveau gouvernement. Ça peut être une frontière, ça peut être une séparation. Et la lettre, ben pour moi, quand on reçoit une lettre, ben c'est un message. Donc, il y a un message. Donc, bien entendu, ça, c'est les énergies du cœur. L'énergie du cœur, pardon. Ça peut être aussi frontière. Ça peut être aussi un blocage. À ce que je peux voir, ça peut être un blocage. Donc, pour moi, en tout cas, ça peut être un blocage, donc que vous vous bloquez sur la lettre. Ben, pas sur la lettre, sur le message, pardon. Vous n'arrivez pas à capter le message. Tandis que la dame, ben, déjà là, la dame et la tour, ben, ça nous pourrait référencer à. La princesse prise au haut de sa tour. Ça peut être ça, donc, mais voilà. Et comme que j'ai dit, ça peut être un message qui provient d'une femme plutôt féminin. On va pas dire femme, on va dire plutôt féminin.
Ensuite, bah, la cigogne, comme que j'ai dit, on a déjà la femme, bah, la dame, pardon, et la cigogne, donc ça peut être relié à un accouchement. Vous avez eu un enfant, peut-être, peut-être pas, donc ça peut être aussi que vous êtes l'enfant, voilà. Donc, comment je peux vraiment vous dire? L'ancre, c'est considéré comme un ancrage, donc ça se pourrait que vous êtes ancré sur votre côté côté enfantin, on va dire. C'est ça que je veux dire. Ça se pourrait que, voilà, que vous ressortez plus votre côté enfantin. Voilà. Donc, je crois que c'est à peu près ça le message que je peux voir. C'est ça. Vous aurez un message, sauf que soit vous restez ancré, soit vous vous bloquez sur ce message-là. Du coup, ça peut être vraiment. Vous êtes. Voilà. Vous avez peut-être aussi appris que vous étiez enceinte et là, vous êtes ancré, bloqué là-dessus. Du coup, c'est ça que je peux voir. Mais c'est pas nécessairement cela. Donc, je peux vous remontrer les cas. Donc, pour vous, n'hésitez pas, vu que c'est un message général. Donc, n'hésitez pas n'hésitez pas à imaginer ce que peuvent dire, voilà, ce que vous ressentez en fait au fond de vous. Donc, je sais que c'est tellement moche là, niveau qualité, mais je vous demande pardon pour ceci. Je le fais avec les moyens du bord. Donc, comme j'ai dit, la tour, la lettre, la dame, la cigogne et l'ancre. Donc, j'essaie de vous montrer le mieux que je peux. Donc, comme je dis, voilà. Donc, n'hésitez pas à voir ce qu'elle peut vous dire à vous. Moi, en tout cas, je vois vraiment vous êtes peut-être voilà, enceinte ou pas. Vous êtes appris que vous êtes enceinte ou pas. Ça peut être autre chose, mais que j'ignore qu'est-ce que ça pourrait être. Comme j'ai dit, j'ai chaud. Mais je peux toujours aller voir ce que disent les mots-clés, donc. Ici, donc, 27, la lettre mot écrit, registre, texte. Donc, c'est comme que j'ai dit, ça peut être un message. Voilà. Et la dame, ben, ça peut être femme, intuitive, féminine, fond. Oui, exactement. Ça peut être une intuition féminine, pardon, que vous aviez, que vous pourriez avoir. Donc, aussi. Donc, la 17, livraison, retour, naissance. Voilà. Comme je parlais, naissance, ça peut être une livraison. Déjà, la livraison, lettre. Vous pouvez avoir reçu une lettre, peut-être anonyme, hein, on ne sait pas, peut-être niveau amour, j'aurais plutôt peut-être une lettre anonyme que quelqu'un vous aurait. Donc, vous aurez un message anonyme d'un, je sais pas moi, de quelqu'un qui vous aime, qui, je sais pas moi, comment qu'on appelle ça? J'ai oublié le nom. C'est fou. Un admirateur secret, voilà. Donc, ça peut être une lettre d'un admirateur secret, vous aurez. Ça, on sait pas. Ça pourrait être ça.
Donc, si t'es anglais, désolé, mais reste pas ici, hein, c'est français. Donc, 35 langues, espoir, longue période de temps, stagnation, stabilité. Donc, wow. Redemande mon truc. Donc, oui, vous pourriez avoir un espoir. Oui, vous pourriez avoir de l'espoir. Peut-être un espoir de tomber enceinte un jour ou que vous êtes enceinte. Peut-être là-dessus. Je suis focus là-dessus. Je sais pas pourquoi, mais je suis focus là-dessus. Et pourtant, c'est les énergies du cœur. Donc, pour moi, vu que ça provient du cœur. Je crois que vous voulez avoir un enfant et ça pourrait que ça ne marche pas du tout, donc ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui, comme l'indique l'encre ou la tour, il y a quelque chose qui bloque, que vous restez stable à un endroit spécifique, même si vous voulez. Voilà, même si vous voulez. Avoir un enfant. Voilà. Désolée si je me ch cherche tout le temps, mais bon. Donc, on va plutôt aller voir sur l'énergie actuelle. Donc, moi, no speak English, hein. Je parle français. Si t'es anglais, tu t'as pas d'affaire rien ici. En plus, c'est écrit. Voyance, spiritualisme, français. Donc, en temps normal, avant de cliquer sur un live, vous serez censé de regarder qu'est-ce qui est écrit. Donc, déjà là, c'est pas anglais, hein. Donc, donc voilà. Donc on passe au prochain tirage. On va voir quel est le message de l'énergie actuelle. Donc ce que vous avez sur le moment. Donc et cette fois-ci, on va faire un tirage de 4 cartes. Donc je voilà. Donc, bien entendu, sont mal placés. Donc, on va essayer de les placer comme il faut pour que je puisse choisir mes cartes. En plus, c'est normal qu'il y ait un petit truc. Donc, on va voir si certaines cartes vont ressortir. Des fois, ça peut arriver, ça. Donc, je crois que c'est la lune. Si je ne me trompe pas, la lune. Voilà. Ça, c'est la lune, il me semble. Je partais pour dire la nuit, hein. Non, 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 c'est la lune. Donc, ah, l'énergie de la lune. Voilà, ça peut être ça. Donc, ensuite, le balai et le fouet. Voilà, le balai et le fouet. Ensuite, ah, là non. L'annonce qui me fait signifier, moi, c'est un engagement. Ouais, c'est ça, un engagement, quoi. Comme le lien sacré du mariage, par exemple, le mariage, quoi. Donc. Et la quatrième carte, le jardin. Voilà, le jardin. Donc, le jardin, ben ça, je
On dirait que la nature veut vous communiquer un message. Donc, je ris, hein, mais c'est pas intentionnellement. Je trouve ça drôle quand même un peu. Donc, la lune. Moi, j'avais dit, j'avais pensé aux énergies de la lune. Donc, vous, qu'est-ce que ça pourrait... voilà, quel message pour vous que ça puisse donner, en fait, pour vous. Donc, je vous laisse aussi, voilà, vous... faire votre propre interprétation aux cartes, voilà. Et finalement, je pense que je vais peut-être pouvoir faire l'autre tirage prochainement. Je pensais pas que ça allait aller vite. Donc, d'habitude, on parle beaucoup plus que ça, les cartes de celui-là. Mais je pense, aujourd'hui, je sais pas, en fait. Donc, la lune. Pour moi, la lune, c'est la nuit. Clairement. C'est le côté sombre. Non, en fait, on va le voir. Célébrité, reconnaissance, rêve, la façon dont les autres vous voient. Donc, ah, ok, reconnaissance. Voilà, rêve. C'est parce que tout de suite, voilà, tout de suite, je ne pensais pas... voir ça, donc peut-être vous cherchez de la reconnaissance ou peut-être vous êtes une personne différente. Ben, on est tous différents, mais ce que je veux dire, c'est que les autres vous voient autrement que vous serez supposé d'être, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Ça peut être ça aussi. Ou vous êtes une personne qui rêve un peu trop. Vous êtes tout le temps en train de... Voilà. Comment dire? Pas tout le temps, mais je veux dire... Vous trouvez... là, comment je pourrais dire ça? Je cherche, hein. C'est drôle, mais je cherche. Donc... comment je pourrais dire ça? Donc, vous êtes plus rêveuse. Voilà, vous êtes plus une personne rêveuse. Voilà. Comme j'ai dit, bon, le balai et le fouet. Avant, voilà, au lieu de sauter une étape. Donc, le balai et le fouet. Querelle, conflit, dispute, mécontentement, punition, châtiment. C'est ce que j'avais cru comprendre qu'il risque d'avoir. Un conflit, peut-être intérieurement, donc à vous, ou que vous seriez en dispute entre vos amis, et pourquoi pas entre les personnes qui vous trouvent, qui vous voient tel que vous êtes, mais en fait que vous n'êtes pas cette personne. Vous essayez peut-être de leur dire que non, ça c'est pas moi. Ce genre de situation, mais que au lieu de régler ça calmement, ça va finir en dispute et voilà, ce genre de truc. Mais sinon, vous avez un engagement ici. Donc je cherche. Donc, bon, moi, je l'appelle l'anneau, mais c'est la bague, en fait. C'est contrat, mariage, accord, serment, engagement. Et même si vous venez en conflit, vous allez trouver un engagement, un accord avec ces personnes-là. Finalement. Et le jardin. Le jardin, ça, je me suis pas trompée, hein. C'est contact personnel, socialisation, fête, conférence, rencontre, société. Donc, vous allez faire peut-être aller faire la fête. Je sais pas. C'est... Vraiment, je ne sais pas. Vous allez vous sociabiliser. Peut-être plus. Donc, vous êtes plutôt une personne plus rêveuse. Vous allez peut-être... je dis peut-être, hein, parce que ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se passer ainsi, hein. Bien entendu. Et je vous laisse... votre intuition... Donc, votre intuition... vous laissez parler, en fait. Donc, là, du coup,
Vous pouvez être une personne rêveuse. Vous pouvez être une personne qui rentre en conflit. Mais vous trouvez un engagement, un accord avec ces personnes-là, et ensuite vous faisiez la fête, vous sociabilisez avec ces personnes-là ou les autres ou avec d'autres personnes. Donc vous sortez en fait pour faire la fête. Voilà quoi. C'est ça que je veux dire. Donc c'est à peu près ces messages-là qu'on voit avec. Qu'on voit avec qu'on voit avec les énergies donc l'énergie du cœur, l'énergie actuelle, voilà l'énergie qui vous entoure pour le moment. Donc je vais passer à la au tirage suivant, donc le tirage suivant, finalement, je risque peut-être pas le faire en trois parties comme vous avez pu voir. Donc, prochain tirage, c'est, comme j'ai dit, l'oracle des dragons vikings. Donc, eux, je crois, ils vont être un petit peu plus parlants pour moi, peut-être. Je dis bien peut-être. Je garde toujours le petit livre de côté, car on ne sait jamais. Parce que j'oublie très très vite ce que je dis. Donc, on mélange en premier. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense? Donc, voilà. Des fois, j'arrive, j'ai un blanc. Un peu comme tout à l'heure avec la tour, j'avais un blanc. Donc, on mélange. Et du coup, soyez un petit peu indulgent avec moi, puisque c'est la première fois que je fais ça. Et je ne suis pas une experte. Voilà, en ce genre de tirage, d'habitude, je les fais plus pour moi ou quelques personnes que je connais. Donc, je mélange. Et là, vu qu'ils sont plus grosses, je vais juste pouvoir les étendre. Là, bien entendu, c'est l'énergie du cœur. Encore une fois, c'est 5, 4. Oh. 5, 4. Voilà. Donc, je vais peut-être prendre elle. La nature. Donc, la nature. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Je sais même pas qu'est-ce qui en fait. Peut-être si je fais ça de même. Et ça de même. Voilà. Peut-être que là, vous verrez un petit peu mieux. Donc, la nature. Je la mets de côté, hein. Bien entendu, je la mets de côté. Ensuite, je vais prendre elle ici, qui est la solitude. Oh, déjà là, l'énergie du cœur, je la vois déjà. Hein. Déjà juste la nature, solitude. Comme je vous ai dit, cet oracle-là sera plus parlant. L'observation. Donc on voit que c'est un petit œil de dragon. Oh non, tiens, je vois. Les mettre là. Ensuite, prise de conscience. Oh, celle-là, je l'adore. Hein. Celle-là, vraiment, je l'adore. Et je vois très bien le message qu'ils veulent nous dire.
J'espère juste que je vais pouvoir vous le dire correctement. Donc, parce que déjà là, ça veut tout dire. Le caractère. Donc, déjà là, moi, le caractère, je vois déjà que vous êtes une personne. Ben, plutôt l'énergie du cœur. Vous aviez un fort caractère en vous. En fait, voilà. Vous êtes une personne avec beaucoup de caractère. Donc, ceci, c'est la cinquième. Ceci, c'est la quatrième. Ceci, c'est la troisième. La deuxième et la première. Donc, la première nous dit la nature. La deuxième, la solitude. La troisième, l'observation. Pour moi, il est très clair que vous voulez l'énergie du cœur, c'est que vous, pas que vous vous sentez seul, mais plutôt que vous avez besoin d'être seul, peut-être être seul dans la nature, mais je sais que vous avez besoin d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui vous entoure. Observez ce que vous ressentez en vous. Vraiment, observez toutes les possibilités. Donc, vraiment, c'est ça l'observation. Mais la solitude, donc vous avez besoin d'être seul, de ne pas être en compagnie. Donc, voilà. Comme j'ai dit, ça peut être dans la nature. Vous avez besoin d'être ou vous reconnecter à la nature. Peut-être, vous avez peut-être ce genre de petits sentiments-là. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin d'être seul. Et vous avez besoin d'observer tout ce qui vous entoure. Donc, tout ce qui se passe. Ou d'observer les questions que vous vous posez. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que oui, je veux faire ça? Est-ce que non, je ne veux pas faire ça? Donc, c'est ce qui fera que vous allez prendre une décision, donc que vous allez faire voilà, une prise de conscience. Du coup, vous allez vraiment, c'est ce qui vous permettra de d'avancer et que vous êtes une personne à fort caractère, mais que vraiment, juste pour vous dire que vous serez fort. Donc, en prenant vos décisions, donc à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. C'est dans ce sens-là que je le vois. Je vous dis, ça a été tellement vite, c'est exactement ça que j'ai eu comme message qui provient du cœur. Donc, ça a été vite, hein? Et comme je vous dis, il est très très parlant celui-là. Donc, je remélange. Parce que là, on va voir l'énergie actuelle, l'énergie qui vous entoure. Donc, 4 cartes. Donc, bien entendu, je vous laisse faire votre propre intuition des cartes, plutôt message. Donc, je vous laisse faire votre intuition à vous. Donc, qu'est-ce qui vous résonne en vous, en fait? Ça, je vous le laisse. C'est votre choix. Et ça, c'est pour les personnes qui ont choisi l'oracle des dragons vikings. Hein. Parce que, bien entendu, je répète, je vais laisser le choix au tout début du... Ben, on peut clairement dire du live. Bon, et je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire le tirage numéro 2. Donc, parce que je pensais pouvoir le faire en trois parties, mais finalement, non. D'après moi, on n'aura pas besoin de faire en trois parties. Donc,
finalement. On y va. Mais c'est, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que j'ai un petit peu plus de difficulté à interpréter le message du premier tirage. Parce que d'habitude, j'ai beaucoup moins de difficultés. Peut-être parce que là, c'est la première fois que je fais ça en live. Comme je vous ai dit au tout début, j'ai l'habitude de faire... de le faire pour moi-même et pour certaines personnes uniquement. Donc, les connaissances que je connais et que les personnes qui ne me ridiculiseront pas. Donc, mais désolé aussi pour la personne qui m'a parlé via le chat du live. Je suis pas anglaise, donc je ne parle pas anglais. Je ne peux pas traduire le français en anglais, malheureusement. Le sens contraire, je peux. Traduire l'anglais en version française, ça, je peux, du moins, avec ce que je pense. Mais pas l'inverse, malheureusement. Donc... Donc, d'après moi, ça doit être assez, ça doit être assez mélangé pour le coup. Donc, comme j'ai dit, là, c'est 4 cartes. Oui, il faut faire très attention. Hein. Y a certaines personnes qui ont de la difficulté à dire. Hein. Comme moi, au début. Maintenant, j'ai plus trop de misère à le dire. Donc, on commence par ici. On va voir si c'est les mêmes cas. La destruction, pas du tout. Pour le moment, c'est la destruction. Et comme j'ai dit, ouais, c'est ça. Vu que je suis pas anglaise, les personnes qui sont anglais aussi que je disais, ben, n'ont pas d'affaire à être ici. Puisque c'est du français, malheureusement. À moins que si ce soit des anglais qui veulent apprendre le français. Là, c'est pas pareil. Ils peuvent rester. Mais je suis pas la meilleure personne à prendre. Comment dire je voulais dire je suis pas disons que je suis pas la meilleure personne pour suivre niveau français, voilà, parce que vu que c'est pas le français européen, c'est le français québécois en fait que je parle, donc du coup c'est pas du tout la même chose, c'est plus compliqué le français québécois que le français européen, il me semble. Ensuite, la tempête. Déjà là, la destruction, la tempête, pour moi, ça fait référence déjà à une dispute, un conflit. Peut-être en vous, hein, pas juste aux alentours de vous, parce que là, vu que c'est les énergies actuelles, c'est ce qui vous entoure. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire une dispute ou d'un conflit, quelque chose comme ça, en fait. Pour le moment, c'est ça que je vois. La troisième carte, l'écoute. Voilà. C'est vrai que tout à l'heure, je vous ai pas remontré les cartes, mais bon, au pire, vous revenez en arrière et vous faites votre propre interprétation. Voilà. Et ensuite, la fidélité. En plus, je n'aurais pas le choix de prendre une petite pause après. Parce que je commence à avoir envie d'aller aux toilettes. Donc, celle-ci, c'est la quatrième. Celle-ci, c'est la cinquième. Celle-ci... donc, comme j'ai dit, la destruction,
Ça veut pas vous dire que vous allez détruire une relation, détruire des, on va dire, des meubles, des maisons, etc., etc. Non, non, non. Ça peut être clairement un objet de dispute. Déjà, la tempête, en fait, vous allez ressentir des... C'est une tempête émotionnelle, en fait. Je me souviens de cette tempête-là. Donc, c'est une tempête émotionnelle que vous allez avoir. Donc, bien entendu, la destruction, ça peut être une dispute. Donc, ça peut être une dispute. Et ensuite, ça peut être, comme je vous dis, vous allez ressentir des émotions et tout. Donc, ça peut être sujet, c'est ça, ça peut être une dispute. Mais par la suite, vous allez être à l'écoute, peut-être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de la personne, voilà, d'une personne qui vous entoure. Voilà, ça peut être aussi l'écoute de la personne, voilà, qui, je dirais pas qui vous a détruite, hein, non, 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 mais qui a déclenché cette dispute. Voilà. Et ensuite, vous avez la fidélité, autrement dit, fidélité, c'est plutôt le mot que je voulais savoir, mais pas le truc. Mais bon, comme j'ai dit, je garde toujours le petit livre à côté de moi parce que parfois j'oublie. Ah, c'est ça. Vous aviez resté fidèle à vous-même. Donc, c'est ça, en fait. Donc, même si vous avez pris... voilà, même si vous aviez eu une dispute, que vous avez eu beaucoup d'émotions fortes ces derniers temps, vous avez pris à être à l'écoute, peut-être à l'écoute de vous-même. Donc, grâce à cela, vous avez pu rester fidèle à vous-même. Voilà, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, hein, il est vraiment plus parlant de lui. Vraiment, celui-là, je trouve plus parlant. Et du coup, voilà. Et pour le coup, ouais, je non, je pense, c'est vraiment ce message-là que j'ai capté. Mais pour vous, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, vu que mon live va être en rediff sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc, là, je parlais pour les personnes de YouTube qui vont regarder ce live, voilà. À me dire ce que vous pensez, non, ce que vous avez cru percevoir en tant que message. Voilà. Ça peut être différent. Donc, et vu que c'est un. Pour moi, vu que c'est l'un des. Eh bien, j'ai pas de difficulté à capter. J'ai moins de misère, en fait. Avec lui. Donc, je ne le mets pas dans sa boîte, je le laisse dans sa po dans son petit pochoir doré. Voilà, d'habitude. Donc, là, vous avez difficulté à voir, mais il est vraiment doré, en fait. Ensuite, ben lui, c'est vrai, c'est pareil. J'ai pas remis les cartes dans leur pochoir. Je vais leur remettre les cartes dans leur pochoir en même temps. Et après, je vais faire une pause. Parce que il faut que je gagne au pipi room. Comme qu'on dit, pipi room. Comme certains le disent. Donc, voilà. Je vais faire. Voyons, t'es où toi? Voilà, de retour bientôt.
Et voilà, je suis de retour. Ça t'a pris le temps. Ensuite, nous. Voilà. Nous sommes rendus au troisième tirage finalement. Donc, qui est l'oracle de lumière. Donc, lui, on voit très bien l'oracle de lumière. Je garde toujours le petit carnet au cas où. Des fois, je n'arrive pas à capter le message. Ou des fois, ben, j'arrive à capter le message, mais que je ne sais pas trop quoi. Je suis pas trop sûre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le sens. Donc, lui aussi, il est un petit peu parlant parfois. Ça dépend. Donc, ça dépend. Voyons. Les cheveux qui dérangent, comme toujours. J'ai pas envie de me les attacher. Donc, on mélange, bien sûr, bien comme il faut. Je crois que j'ai une en avoir, mais bon, ça, c'est pas bien grave. C'est pas ça qui dérange. Oh, nous avons des cartes qui sont sorties. J'en ai trois, bien entendu. C'est l'énergie du cœur, le tirage à cinq cartes que j'ai fait. Donc, la force intérieure, la connaissance de soi et la vitalité. Donc déjà là, c'est pas mal. Remélange. Donc je les tasse parce qu'il faut que je choisisse mes deux autres. Celles-ci sont un petit peu plus difficiles à voilà quoi à les glisser, voilà, chercher le mot encore. Regardez avec elle la je vois pas trop le succès. Là, je vois pas trop, mais donc le succès, donc peut-être que vous auriez un succès, donc la foi. Donc, vous êtes peut-être une personne de foi, ou peut-être pas, mais que vous aurez la foi, ou vous avez la foi de quelque chose. Peut-être, pas nécessairement en Dieu ou en Jésus, mais la foi de quelque chose. La vitalité. Pour moi, la vitalité, bah, ça peut être la vie, comme que ça peut être quelque chose de vital. Voilà. La force intérieure. Donc, c'est une carte qui est représentée ainsi. Donc, la force intérieure. Donc, vous aviez la force intérieure. Pour moi, vous aurez besoin de votre force, l'énergie du cœur, vous avez la force intérieure. Donc, vous aviez une force qui demande à sortir. En fait, c'est ça. Je dirais plutôt ça. Vous aviez une force intérieure, mais qui demande à sortir. Ensuite, la connaissance de soi. Donc, autrement dit, vous aviez pris connaissance de vous. Donc, vous saviez qui vous êtes. Comme j'ai dit, la vitalité tout à l'heure, ça peut être quelque chose de vital ou que ça peut représenter la vie. Donc, voilà. La foi.
Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, bah, vous avez la foi de quelque chose. Vous avez, ou vous aurez besoin de la foi pour continuer peut-être à apprendre de vous ou voilà, continuer à... Je crois que c'est à peu près ça. Ensuite, vous aviez le succès. Ben, le succès peut représenter que vous aviez vous aviez du succès auprès des uns des autres ou vous aurez un succès, donc vous avez peut-être accompli quelque chose que vous serez fier de l'avoir réussi, justement. Un diplôme, vous pouvez recevoir un diplôme. Et tout. Donc, pour moi, c'est ça que je vois, en fait. Lui aussi, hein, il est plus parlant. Du moins, pour moi, c'est à peu près ça que je vois. Donc, pour vous, ça peut être autre chose, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous avez vu plutôt comme message. Ça peut être différent. Donc, parce que les cartes ne résonnent pas. Donc, voilà. Donc, elle nous parle différemment. Donc, ça ne veut pas vous dire que cette image, c'est pas parce que ce que j'ai vu, moi, est forcément le cas pour vous. C'est ça que je veux dire. Donc, ensuite, là, c'est le tirage à quatre cartes. À quatre cartes, l'énergie actuelle, l'énergie qui vous entoure. Finalement, je trouve que ça bien. Ouais, en fait, ça bien. Ça a bien été, je trouve. Elles ont toutes tombé à terre. Super. Ça, pour moi, je ne compte pas ça en message. Je ne compte pas ça pour un message. C'est un gros tapon. Car c'est plutôt un gros tapon ou un gros tas. Ou beaucoup, en fait, de cartes qui tombent. Je n'appelle pas ça un message. Bah oui, non. Plutôt dans le sens, c'est arrête. Pour moi, ça veut dire arrête. Mais bon. Bon. Non, non, non. Je veux pas que vous fassiez ça en parlant. Allez! Le tas ne veut pas glisser, c'est fou. À quel point que le tas ne veut pas glisser. Voilà, merci. Glissez-vous un peu. Merci. Glissez-vous un peu. On en choisit une ici. La vitalité encore, qui sort une deuxième fois. Donc, je vous la remonte. Ensuite, vous aviez les cycles, donc ça peut être les cycles lunaires ou les cycles saisonnières. Donc, déjà là, pour moi, ça veut dire. Le sacrifice.
ensuite l'expérience initiatique. Donc, c'est compliqué, vous, hein? Pour l'énergie actuelle, c'est un peu compliqué pour vous. Et le voyage. Ici, nous avons le voyage. Donc, la vitalité qui a sorti une deuxième fois. Les cycles. Donc, ça peut être saisonnière. Les cycles saisonnières ou les cycles de la lune. Le sacrifice et l'expérience initiatique. Donc, pour moi, l'expérience initiatique me dit presque rien, en fait. On va aller voir la carte. C'est numéro 25. La carte numéro 25. J'ai juste lire dans ma tête. Donc, du coup, bah, c'est une carte qui dit de rester l'expérience initiatique. Donc, c'est de rester vous-même, en fait. De rester vous-même, de plonger directement dans la tempête. Donc, si on va sur le tirage avant, donc, c'est plonger dans la tempête. De vous retirer le masque que vous avez mis, en fait. Que vous aviez mis. Donc, que vous avez mis. Donc, c'est ça, en fait. C'est, en gros, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, la vitalité, ben, comme j'ai dit, ça peut représenter la vie comme ça peut être quelque chose de vital. Voilà. Du moins, il y a quelque chose dans votre vie être est vital. Et comme je dis, ça peut être la vie. Donc, est-ce que vous aviez donné la vie? Est-ce que vous n'avez pas donné la vie? Ou ça peut être, c'est ça, ça peut être vous aviez donné vie à quelque chose. Attention, quand je dis donner vie à quelque chose, ça veut pas dire être enceinte. Non, 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 ça peut être donner vie à vos voilà, à vos sentiments, donner vie à vos par exemple, si vous êtes artistique, par exemple, vous donnez vie à votre peinture ou votre création. C'est dans ce sens-là que je le vois. Les cycles, donc, c'est par saison ou par les cycles de la lune. Donc, ben là, je vois plutôt la lune, donc je dirais plutôt les cycles de la lune. Vous suivez les cycles, le cycle de la lune, au final. Donc, c'est ça, vous suivez le cycle de la lune. Ou, comme je dis, ça pourrait être par saison. Donc, ça peut dépendre pour vous. Le sacrifice. Donc, le sacrifice. Soit quelqu'un s'est sacrifié pour vous, soit que vous, vous êtes sacrifié pour quelque chose dans votre vie. C'est dans ce sens-là que je le vois. L'expérience initiatique, c'est que, comme je vous ai dit, vous avez plongé... Vous avez retiré votre masque et voilà, vous assurez d'être vous-même. Voilà, quoi. Vous assurez d'être vous-même. Vous ne laissez. Vous ne. Je sais pas qu'est-ce que je partais pour dire. Vous ne laissez pas vos peurs vous bloquer la route. Donc. Vous foncez, quoi, vous êtes, c'est ça, vous êtes quelqu'un de fonceuse, à peu près. C'est à peu près dans ce genre-là que je vois. Donc, ben, comme j'ai dit, c'est quelque chose, voilà, c'est l'énergie actuellement.
ce qui vous entoure, donc voilà. Bien entendu, même si vous foncez, vous avez des questions, bien entendu. Vous êtes quelqu'un de sensé, quoi. Voilà, en fait. Vous ne laissez pas vos peurs. Donc, vos peurs vous contrôlent. Donc, vous ne laissez pas vos peurs vous contrôler. Vous restez vous-même. Vous avez retiré vos masques. Vous êtes quelqu'un de fonceuse qui fonceuse, fonceur. Donc, vous foncez directement dans, en plein cœur dans la tempête pour peut-être observer ce qui vous entoure, en fait. Voilà. Ça pourrait être ça. Le message que j'ai vu, puisque j'ai vu pas mal le tour pour aujourd'hui, donc finalement ça n'a pas terminé en trois parties, donc moi j'ai terminé personnellement, voilà, j'ai terminé. Bien entendu, n'hésitez pas, comme j'ai dit, n'hésitez pas, hein, c'est un, ça c'est en général, vous êtes libre de penser que non, vous êtes libre de croire ce message ou pas du tout. Ou peut-être vous aviez un autre voilà, un autre vous avez peut-être que les cartes vous avez vous a résonné autrement. Voilà. C'est-à-dire, je veux dire, vous avez peut-être reçu un autre message. Vous avez percevez un autre type de message que moi. Donc, ça peut être pas... vous êtes libre... voilà. Vous êtes libre... comment dire... vous êtes libre... de me croire ou non, en fait. C'est ça aussi. Vous êtes libre de me croire ou non. Ça peut être complètement un message différent que vous aviez reçu, vous. C'est à peu près ça. Donc, c'est à peu près ça que... ouais. C'est ça, c'est à peu près ça. Je vous dis à plus. Et on se retrouve dans d'autres lives ou autres. Et pour la rediffusion sur YouTube, je vais essayer de mettre le temps imparti de tel tirage. Voilà, tirage numéro 1, ça commence là. Tirage numéro 2, ça commence là. Voilà, mettre le temps des tirages. Voilà. Quand que ça commence. Voilà. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve dans d'autres lives ou dans une vidéo, on sait jamais. Donc, à plus.